Waouh! La vue de ce bureau est juste incroyable! Oh, parfait! Et pour la légende, nouveau bureau business monte en puissance. Waouh! On dirait que Brad vient de prendre un nouveau bureau. Brad? Le gars avec qui tu travaillais? Ouais. Il a lancé son propre business et... on dirait que ça se passe bien pour lui. Tiens, regarde. Waouh! Il doit faire beaucoup d'argent, j'imagine. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais bien, Christine. J'ai un boulot de merde. Je gagne à peine plus que le SMIC. Et Brad vient juste d'avoir un nouveau bureau. Hé, hey, écoute-moi. Ne laisse pas les publications des gens sur les réseaux sociaux t'influencer négativement. En plus, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent sur Instagram. Ouais, je suppose. Allez, viens, on va manger quelque chose. Ça t'aidera à vider ton esprit. Brad, j'aurais besoin de... Que fais-tu sur ma chaise? Désolé, j'étais juste... Je t'ai demandé de venir ici pour ranger mon bureau. Pas de faire semblant que c'est le tien. C'est vrai, je suis désolé, ça se reproduira pas. Bien. Bon, fais vite, je n'ai pas toute la journée devant moi. Bien, madame. Oh mon Dieu, cet endroit est magnifique. Je l'ai. Maintenant, une légende rapide. Propriétaire avant 30 ans. Hashtag millionnaire, l'argent circule à flot. Il vient d'acheter une nouvelle maison. Je n'y crois pas. Qui? Tu penses à qui, Christine? Brad. Et il n'a même pas 30 ans. Alors que moi, j'en ai 33 et je loue toujours un appartement de merde. Daryl, notre appartement n'a rien de mal. Et chaque personne est différente. Ne compare pas ta vie à la sienne. Et tu te sentirais comment si ton ancien collègue lançait sa propre entreprise prospère et venait d'acheter une nouvelle maison? Ben, je serais contente pour lui. Ouais. Peu importe. T'es pas un mec, donc tu peux pas comprendre. Écoute, tu peux pas savoir si c'est vrai ou pas. Je pense que tu stresses pour rien du tout, là. Bon, on peut aller manger, s'il te plaît. J'ai vraiment la dalle. Et juste une petite dernière... Qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi prends-tu des photos dans ma maison? Désolé, c'est que la maison est tellement belle que je... Je t'ai pas embauché en tant que photographe. Je t'ai embauché en tant qu'assistant. Comporte-toi de la sorte. Oui, madame. Viens m'aider avec les cartons. Ok. Ouh, cette voiture est superbe. Je dois prendre une photo pour les fans. Alors... Et pour la légende... Nouvelle journée... Nouvelle voiture. Hashtag l'argent circule. Quoi? Il vient d'acheter une nouvelle Rolls-Royce. Cette voiture coûte genre 300 000 dollars. D'accord. Daryl, faut que t'arrêtes. T'as scrollé sur Instagram toute la journée et regarde comme ça t'affecte. Tu gâches ton bonheur pour rien du tout. Mais parce que je suis malheureux. Je veux dire, je suis loin de mes objectifs de vie et t'as Brad qui vient d'acheter une nouvelle voiture de luxe. Tu sais, je n'ai plus faim. Je veux rentrer à la maison. Daryl. Allez, viens. Allons manger. Tu verras que ça va t'aider à te vider l'esprit. Allez. Hé. Hey. C'est pas Brad? Ouais, c'est lui.
Ça doit être la nouvelle voiture qu'il a achetée. Allons lui dire bonjour. Salut, Brad. Daryl ? Salut, mec. Hey, content de te voir, mec. Tu te rappelles de Christine, n'est-ce pas ? Bien sûr, content de te voir. Contente de te voir aussi. C'est ta voiture ? Elle est incroyable. Oui, je viens de l'acheter. Plutôt cool, non ? Ouais, je n'arrive pas à croire que ça aille aussi bien pour toi. Je te suis sur Instagram, donc... J'ai vu le nouveau bureau et la nouvelle maison. Sérieux, félicitations, c'est vraiment super. Merci, mec. Depuis que j'ai lancé ma propre entreprise, les affaires ont explosé. Assez parlé de moi, alors toi tu travailles où maintenant ? Oh, eh bien en fait, je suis toujours au même endroit. Désolé. Brad, c'est quoi ça ? On vient de m'envoyer ton compte Instagram. Oh, ça ? Eh bien, je peux l'expliquer, c'est... Tu as pris des photos dans mon bureau, dans ma maison, et maintenant devant ma voiture, en prétendant que c'est les tiens. Madame, je suis désolé, juste une petite seconde... Pas la peine, c'est bon, ça suffit. Tu es juste mon assistant, rien de plus. Enfin, tu étais mon assistant. Tu es viré. Quoi ? Non, s'il vous plaît, donnez-moi une seconde chance. Waouh. Je n'arrive pas à croire ce qui vient de se passer. Oh mon Dieu. C'est incroyable. Mais ça me surprend pas trop. Je me sens si stupide. Tout ce temps, j'ai comparé ma vie à quelque chose qui... n'est même pas vrai. Je suis désolé, bébé, excuse-moi. Je me sens mal de ne pas t'avoir écouté. C'est normal. Je sais que c'est facile d'être happé sur les réseaux. Eh bien, t'avais raison. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être sur Instagram. C'est normal. Bon, on peut aller manger maintenant, je meurs de faim, là.